7 décembre 1941, 7h56 du matin. Des chasseurs japonais, les célèbres zéros, se dirigent vers l'archipel d'Hawaï. Leur cible, la flotte américaine du Pacifique, cantonnée à Pearl Harbor. Plusieurs bâtiments sont piégés dans le port. Quelques minutes plus tard, d'autres chasseurs nippons succèdent à la première vague. À 8h35, deux navires de guerre ont été coulés. Deux sont sur le point de sombrer et deux autres ont été sévèrement endommagés. Un septième bâtiment, le Nevada, a largué ses amarres et tente de fuir vers la haute mer. Touché à son tour, il est obligé de s'échouer. Au même moment, plusieurs vagues de zéro bombardent les chasseurs américains parqués sur les terrains d'aviation de l'île. Ils s'en prennent également au baraquement. À la fin de l'attaque, des dizaines de navires de guerre ont été coulés ou endommagés. 188 avions de chasse ont été détruits. Le jour suivant, le président américain, Franklin Delano Roosevelt, déclare la guerre au Japon. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Le décor est planté. Le Japon arrivera-t-il à faire plier rapidement les États-Unis avant que leur formidable puissance ne se mette en branle? C'est le début de l'un des plus grands affrontements de la Seconde Guerre mondiale. La première action de guerre japonaise date du mois d'août 1940. Profitant de la défaite française, le Japon prend le contrôle de ses bases aériennes dans le nord de l'Indochine. C'est un coup facile qui lui permet d'étendre considérablement sa domination sur la région. Un an plus tard, l'Empire du Soleil Levant envoie un ultimatum à la France. Les Japonais veulent utiliser toutes les bases de la colonie indochinoise. Les Français hésitent. Beaucoup trop. Les Japonais s'emparent de la totalité du territoire. Les conséquences ne se font pas attendre. Les États-Unis gèlent les avoirs japonais à l'étranger. Le pays ne peut plus acheter de pétrole, une denrée dont il manque cruellement. Que faire ? S'incliner et perdre la face ou poursuivre la conquête? Pour le nouveau gouvernement nippon dirigé par l'implacable général Hideki Tojo, l'affaire est entendue. Ordre est donné à tous les officiers supérieurs de se préparer. Ce sera la guerre. Les cibles? Tous les territoires d'Asie contrôlés par les Britanniques, les Français, les Hollandais et les Américains. Un seul but, une victoire totale et rapide. Comment l'envisager autrement? Pour les Japonais, les Américains sont des jouisseurs, des lâches, qui n'auront pas le cran de supporter les affres d'un conflit sanglant.
Les amiraux japonais sont persuadés que la destruction de la flotte américaine stationnée dans le Pacifique sera un coup mortel, que Washington demandera grâce aussitôt. Le lieu de l'attaque va rester dans l'histoire, Pearl Harbor. C'est l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la flotte japonaise, qui aura l'honneur de mener l'offensive. 10 cuirassiers et 10 porte-avions se dirigent vers l'archipel hawaïen, une flotte ultra-moderne. Face à eux, les Américains n'opposent que 8 cuirassiers datant de la Première Guerre mondiale et 2 porte-avions. Yamamoto n'a rien laissé au hasard. Il a choisi le jour pour frapper, un dimanche. Le week-end, la flotte est au mouillage. Les services de renseignement nippons ne se sont pas trompés. Le mot d'ordre est simple, silence radio. Dans le plus grand secret, Yamamoto a réuni toute sa flotte dans la baie de Tankan, au nord des îles Kuriles. Le 26 novembre 1941, les étraves fendent les flots. Ironie de l'histoire, au même moment, des négociateurs japonais atterrissent à Washington pour débattre du problème chinois. Mais ce n'est qu'un leurre. Après 7 jours de mer, la flotte japonaise est réapprovisionnée. 3 jours plus tard, elle met le cap sur Hawaï. Les Américains sont loin d'imaginer ce qui va leur arriver. À 6 heures du matin, ce 7 décembre 1941, une première vague de chasseurs-bombardiers prend son envol. Alors qu'ils foncent vers leur objectif, à Hawaï, les personnels de l'US Air Force et de l'US Navy profitent d'une douce matinée de repos. Deux heures et 15 minutes plus tard, Pearl Harbor est balayé par un déluge de feu. Le plan de Yamamoto a fonctionné à la perfection, à un détail près. Les porte-avions américains n'étaient pas dans le port. Les deux bâtiments ont échappé à l'attaque. Yamamoto voulait anéantir toute la flotte du Pacifique. Sa victoire n'est pas complète. Les forces aéronavales américaines sont intactes. Mais les États-Unis sont sous le choc. Après l'incrédulité et le désarroi, c'est la fureur. Des manifestants en colère assiègent l'ambassade du Japon. L'attaque vient de réveiller un géant assoupi. Le secrétaire d'État à la marine, Frank Knox, exprime la pensée de tous lorsqu'il déclare « Les Japs ont déclenché cette guerre, on va se charger de la terminer. » Mais avant que les États-Unis ne puissent rendre coup pour coup, le Japon va infliger d'humiliantes défaites aux Occidentaux présents en Asie. Décembre 1941,
Les États-Unis pansent leur plaie. Le Japon en profite. Il croit avoir mis KO la puissance américaine. C'est au tour des Britanniques. Les forces japonaises débarquent au nord-est de la Malaisie. Elles doivent atteindre le sud du pays en suivant la côte. Un contingent indo-britannique tente de résister. Mais après une journée de combat, il doit s'avouer battu. Pendant ce temps, le nord de la Thaïlande est le théâtre d'un second débarquement japonais. Mille fantassins progressent désormais sur la côte ouest de la Malaisie. Leur but, Singapour, centre administratif et militaire de l'autorité anglaise dans le sud-est asiatique. Les Britanniques croyaient avoir transformé l'île en forteresse imprenable. Mais tous leurs canons pointent vers le sud, vers la mer. Les envahisseurs arrivent du nord à marche forcée. Les officiers de Sa Royale Majesté commettent une autre erreur. Ils considèrent que leurs adversaires sont de piètres combattants, incapables de traverser la jungle malaisienne. Les Japonais leur réservent bien des surprises. Pour emporter Singapour, ils y expédient leurs bombardiers qui écrasent la ville. Les Britanniques ripostent. Ils envoient le nouveau fleuron de leur flotte, le Prince de Galles, et un croiseur, le Repulse, pour détruire les convois de troupes japonais. Les deux navires sont aussitôt pris à partie par les chasseurs-bombardiers nippons. Les deux joyaux de la Royal Navy sont coulés en moins de 2 heures. Plus de 1000 hommes d'équipage périssent durant la bataille. Pour les Britanniques, c'est le plus grand désastre maritime de la Seconde Guerre mondiale. Cette défaite sonne le glas des grands cuirassiers de la Royal Navy. Elle marque aussi l'avènement d'une nouvelle force de frappe, l'aéronavale. À terre, l'infanterie japonaise continue sa progression à travers la jungle. Kuala Lumpur est prise le 11 janvier 1942. Les forces britanniques battent en retraite et se replient sur Singapour. Cent mille soldats anglais y sont rassemblés pour défendre la ville face à 30 000 japonais. Mais l'infériorité nuira-t-elle ? Les Japonais lancent leur assaut au début du mois de novembre. La ville est soumise à un bombardement intensif. La défense britannique est bientôt réduite à néant. Les civils sont durement touchés. Quatre jours après le début de l'attaque, les Japonais percent les dernières lignes de défense. «
le commandant de la place, le général Arthur Percival, se rend avec ses 90 000 hommes. C'est une catastrophe. Jamais dans l'histoire de l'armée britannique, un commandant de cette importance ne s'était rendu à un ennemi inférieur en nombre. L'Asie du Sud-Est change de main. Deux siècles de domination britannique viennent de s'effondrer en seulement 10 semaines. Ce raz-de-marée n'est pas prêt de s'arrêter. L'armée japonaise vole de triomphe en triomphe. La garnison britannique de Hong Kong succombe après 2 semaines de siège. Aux Philippines, les Américains aussi sont en fâcheuse posture. Un bombardement surprend la base aérienne de Clark Field. Les appareils sont tous au garage ou sur la piste d'envol. La plupart sont détruits. Deux jours plus tard, débarrassés de la menace aérienne, les troupes nippones débarquent dans l'île. Les forces locales s'évanouissent dans la nature. Les Japonais progressent rapidement. Au bout de 10 jours, Manille tombe entre leurs mains. Les forces américaines sont contraintes de se réfugier dans la péninsule de Bataan. Elles y espèrent l'arrivée providentielle de renforts. Mais personne ne viendra. Le 3 avril 1942, les Japonais lancent un assaut général sur les positions américaines. Après 4 jours de combat au corps à corps, elles cèdent enfin. La garnison se rend 2 jours plus tard. Il ne reste plus qu'une colonie britannique dans la région, la Birmanie. Au début de l'année 1942, les forces nippones pénètrent dans le sud du pays. Jamais le Royaume-Uni n'avait imaginé être menacé sur ses terres. 15 000 défenseurs se retrouvent seuls pour préserver le pays de l'invasion. Comment résister au déferlement nippon? Les hommes se battent avec l'énergie du désespoir, mais la cause est perdue d'avance. Moins de 2 mois après avoir envahi la Birmanie, les Japonais s'emparent de sa capitale, Rangoon. Huit semaines plus tard, tous les Britanniques ont été expulsés du pays. En 6 mois seulement, le Japon s'est rendu maître du sud-est asiatique. Cette guerre éclair a bouleversé la physionomie de la région. Plus rien ne sera pareil en Asie. Malgré ses écrasantes victoires, le Japon montre des signes de faiblesse. L'Empire du Soleil Levant serait-il un colosse au pied d'argile ?
Le 18 avril 1942, 4 mois seulement après Pearl Harbor, les Américains rendent aux Japonais la monnaie de leurs pièces. Des bombardiers lâchent leur cargaison mortelle sur Tokyo, non loin du palais de l'empereur. D'autres escadrilles frappent Yokohama, Kobe et Nagoya. Le raid, monté avec l'aval du président Roosevelt, est particulièrement périlleux. Les B-25 Mitchell n'ont pas été conçus pour décoller de porte-avions. Ils ont été modifiés à la hâte pour pouvoir décoller du pont du USS Hornet. Lorsqu'ils s'envolent, ils sont encore à 1500 km de leurs objectifs. Mais l'opération est un franc succès. L'attaque plonge le Japon dans le désarroi. La mère patrie vient d'être durement frappée après 4 mois de victoire sur tous les fronts. Personne ne s'attendait à ça. Les stratèges japonais n'ont plus qu'une idée en tête, défendre le pays. Ils vont s'y employer en lançant une offensive pour s'emparer de toutes les îles du Pacifique. Fortifiées, elles doivent se transformer en postes avancés. Jusqu'alors, l'armée nippone occupait les côtes chinoises, l'Asie du Sud-Est et les Philippines. Elle a également envahi les Indes néerlandaises. La Nouvelle-Guinée et les îles Salomon sont dans leur ligne de mire. L'île de Midway, au milieu du Pacifique, doit être l'ultime pièce du nouveau dispositif de défense. Mais avant même que les Japonais n'aient fini de rédiger leur plan de bataille, un élément capital va jouer contre eux. Les services de renseignement américains ont brisé leur code secret. Au printemps 1942, les spécialistes basés à Hawaï ont intercepté assez de messages pour avoir une vision claire de la tactique de leurs adversaires. Le commandant en chef des forces américaines dans la région, l'amiral Nimitz, sait ce que signifie la perte des îles Salomon et de la Nouvelle-Guinée. Si cette offensive réussissait, l'Australie tomberait inévitablement. Darwin a déjà été bombardé. La population est terrorisée à l'idée d'une possible invasion. Au début du mois de mai 1942, les stratèges nippons exécutent leur plan. Les forces japonaises s'emparent des îles Salomon. Deux jours plus tard, les forces navales nippones pénètrent dans la mer de Guinée n'est plus loin. Mais cette fois, les Américains ont un coup d'avance. L'amiral Nimitz a dépêché sur place 2 porte-avions et une flottille de navires de guerre. La partie de cache-cache débute. Elle dure 2 jours. Le 7 mai, des chasseurs-bombardiers américains localisent et coulent le porte-avions Shōo.
la bataille de la mer de Corail vient de commencer. Les Japonais ripostent, expédiant sur leurs adversaires une multitude de torpilles et de bombes. Ils prennent d'abord pour cible le porte-avions Yorktown, spécialement conçu pour éviter les torpilles nippones. Mais c'est une bombe qui va lui porter un coup fatal. Elle transperce quatre ponts avant d'exploser. 37 marins sont tués. Le porte-avions Lexington, plus grand et moins manœuvrable, est touché par plusieurs bombes et deux torpilles. La liste de ces avaries s'allonge dangereusement. Mais les Américains poursuivent leurs attaques. Ils se concentrent sur le porte-avions Shokaku. Une première vague de bombardiers est interceptée par les chasseurs japonais, les fameux zéros. Les avions américains sont contraints de larguer leurs torpilles bien avant leur cible. Les projectiles s'enfoncent tous dans l'océan. Mais une seconde vague va atteindre l'objectif. Le pont d'envol du Shokaku est si endommagé qu'aucun avion japonais ne peut plus l'utiliser. Après deux jours d'affrontement, les deux adversaires rompent le combat. Le même jour, dans l'après-midi, une formidable explosion ébranle le Lexington. Une réserve de gazole vient de prendre feu. ...215 des 3000 hommes d'équipage seront tués. Tard dans la soirée, une torpille américaine achève le géant en flammes pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Sur le papier, la bataille constitue une victoire japonaise. Le Lexington représentait un quart de la capacité de transport aéronaval américaine dans le Pacifique. Mais stratégiquement, l'affrontement est un succès pour les Américains. Ils viennent de stopper l'offensive japonaise. Ils ont sauvé l'Australie. La bataille de la mer de Corail marque une nouvelle ère dans la guerre en mer. C'est la première fois que deux flottes se sont affrontées sans même s'entreapercevoir. Les navires ont combattu par avions interposés. Des deux côtés, on va se préparer à cette nouvelle forme de combat naval. La prochaine rencontre sera décisive. À la fin du printemps 1942, Américains et Japonais sont dans l'impasse.
Le Japon a besoin d'une victoire rapide s'il ne veut pas être terrassé par la puissance américaine. Dès la mi-mai, l'offensive reprend. Les services de renseignement américains sont à l'affût. Ils connaissent le nom de code de la prochaine cible, objectif AF, un point quelque part au milieu du Pacifique. Le problème, c'est qu'ils ignorent complètement où se trouve ce mystérieux objectif AF. Est-ce Midway, près d'Hawaï ? Cette île constituerait une base idéale pour tenter de frapper à nouveau la flotte stationnée à Pearl Harbor. Pour le savoir, les Américains vont ruser. La base de Midway reçoit l'ordre d'expédier un message en clair annonçant que le système d'approvisionnement en eau de l'île est perturbé. Presque aussitôt, un message japonais est intercepté. Il avertit que des problèmes de ravitaillement en eau affectent l'objectif AF. Cet objectif est donc Midway. Nimitz sait où et quand ses ennemis vont attaquer. Le plan japonais est particulièrement complexe. Une attaque de diversion sur les îles Aléoutiennes dans le Pacifique Nord devra mobiliser une partie de la flotte américaine, pendant que les troupes japonaises débarqueront à Midway. Les Américains seront alors obligés de concentrer leurs forces navales pour reprendre l'île. Une impressionnante flotte, dont 4 porte-avions, les y attendra. Prise dans la nasse, la flotte américaine sera pulvérisée. En moins d'un an, les forces navales nippones auront tenté 2 fois d'anéantir leur rival. Prévenus, les porte-avions américains lèvent l'ancre. Ils se mettent en route pour tendre une embuscade à leur ennemi. Les Japonais ignorent qu'ils ont quitté leur base. Ils savent encore moins où ils se trouvent. Le 3 juin 1942, comme prévu, le feu s'abat sur les îles Aléoutiennes. Nimitz ne bronche pas. Le jour suivant, à l'aube, une première vague d'appareils teste les défenses de l'île de Midway. Les avions américains présents sur la base viennent à leur rencontre. Malheureusement, les vieux Brewster Buffaloes ne peuvent rien contre les zéros japonais. Mais leur sacrifice a permis aux défenseurs de s'organiser. Objectif AF ne sera pas une proie facile. Le commandant de la flotte japonaise, l'amiral Shuichi Nagumo, doit faire face à un dilemme. Il a gardé quelques appareils en réserve, armés de torpilles, au cas où la flotte américaine serait repérée. Doit-il faire changer les munitions de ses appareils et permettre à une deuxième vague d'écraser l'île en bas fragmentation ? Le pari est osé. Il pourrait se retrouver désemparé en cas de rencontre avec l'US Navy. Mais il décide de prendre le risque. C'est à ce moment précis que lui parvient une information importante. Les navires américains ont été repérés. Seul problème, le pilote de l'avion de reconnaissance qui les a survolés n'a pas identifié formellement les porte-avions. Peut-être n'est-ce donc qu'une simple flottille. Nagumo ne sait quelle décision prendre. Doit-il confirmer le second raid sur Midway ? Doit-il, au contraire, faire réarmer ses avions afin de se préparer à attaquer ses adversaires en mer ?
Finalement, il se résout. Il va poursuivre les bombardements sur l'île. Mais alors qu'il transmet enfin ses ordres, les porte-avions japonais sont assaillis par une première vague de bombardiers américains. Aucun des appareils japonais ne peut intervenir. Mais l'attaque est repoussée. C'est alors que survient un nouveau message. Les porte-avions ont été identifiés au milieu de la flotte des assaillants. Nagumo doit changer ses plans. Ses avions sont en cours de réarmement. Il décide quand même d'abandonner Midway pour monter à l'assaut de la flotte ennemie. Il ordonne donc de changer les munitions. Il veut couler les bâtiments américains. Il faut faire vite car son armada peut être prise à partie d'un moment à l'autre. Effectivement, à peine les ordres transmis, des bombardiers américains obscurcissent l'horizon. Ce sont de vieux modèles, ils volent très bas et n'ont aucun support aérien. L'attaque se transforme en tir au pigeon. Les avions sont tous abattus. Nagumo jubile. Dans quelques minutes, ses héros seront prêts. La flotte américaine est à sa merci. Mais ce sont quelques minutes de trop. Au moment même où il va transmettre ses ordres, un grondement sourd enveloppe ses navires. Une nuée de chasseurs-bombardiers transperce les nuages. Ils plongent en piqué sur leur cible. Les Japonais sont pris par surprise. Les atermoiements de l'amiral Nagumo vont lui être fatals. Un déluge de bombes s'abat sur ses vaisseaux. En moins de 5 minutes, 3 porte-avions sont en flammes. Ils vont couler dans la journée. Le quatrième, le Iriyu, est resté masqué par un orage tropical. Dans l'après-midi, il organise une contre-attaque aussi désespérée que suicidaire. Le porte-avions Yorktown est sévèrement endommagé. Il sera coulé quelques jours plus tard par un sous-marin japonais. Mais la résistance nippone est vite annihilée. En fin d'après-midi, le Iriyu n'est plus qu'une épave dévorée par les incendies. Quatre géants des mers ont été détruits en quelques heures. Bien sûr, la bataille de Midway n'est pas décisive. Mais le Japon vient de perdre ses meilleurs porte-avions et 332 appareils. 2000 marins sont morts ou portés disparus. Les Américains sont les nouveaux maîtres du Pacifique. Pourtant, les Japonais ont encore des cartes à jouer sur terre et dans les airs, car leur force aérienne reste redoutable. Dans les mois qui suivent, ils vont prouver qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot.
Tokyo n'a pas renoncé à construire le rempart censé défendre l'archipel nippon de toute intrusion étrangère. Malgré le désastre survenu à Midway, l'objectif est inchangé. Conquérir la Nouvelle-Guinée et les îles du Centre-Pacifique. Les stratèges japonais ont échafaudé un nouveau plan. Privilégier les offensives terrestres. Le 21 juillet 1942, des troupes aguerries, rodées aux opérations dans la jungle, débarquent sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée. Elles prennent la direction de l'ouest. Objectif, Port Moresby, la capitale. Rien ne leur résiste. Les forces australiennes sont littéralement submergées par le nombre. En quelques semaines, les Japonais se sont emparés des principaux cols situés dans les montagnes d'Owen Stanley. C'est là qu'elles vont attendre des renforts avant de foncer sur Port Moresby. Mais les Australiens n'ont pas dit leur dernier mot. Lorsque les Japonais se mettent en marche, ils comprennent vite que la prise de la ville ne sera pas aussi simple que prévu. Des hommes expérimentés et déterminés leur font face. Les Australiens s'accrochent au terrain. Les Japonais n'avancent pas d'un pouce. Les conditions de vie dans la jungle sont terrifiantes. Les deux armées subissent continuellement des trombes d'eau. La malaria fait des ravages. Les Australiens sont à deux doigts de décrocher. Après deux mois d'intenses combats, les Japonais sont à moins de 45 km de Port Moresby. Les renforts américains arrivent enfin. En 7 octobre, c'est au tour des Japonais de reculer. Ils se retranchent à Buna, lieu de leur débarquement trois mois plus tôt. La plupart d'entre eux préfèrent mourir plutôt que de se rendre. Les Alliés mettront deux longs mois pour s'arrêter de leur position. La bataille s'achève dans un bain de sang. Sur les 15 000 soldats japonais, 3 000 seulement parviennent à s'échapper de cet enfer. L'état-major japonais commence à douter. Leur flotte est en grande partie détruite. La dernière offensive terrestre est un désastre. La puissance militaire américaine se renforce de jour en jour. Il ne leur reste plus qu'une chance, s'imposer dans les airs.
Dès l'été 1942, les ingénieurs japonais ont transformé les îles conquises en porte-avions. L'une des plus importantes se trouve dans le sud des îles Salomon, c'est Guadalcanal. Elle est idéalement située pour harceler les convois américains en route vers l'Australie. Elle va être le théâtre d'une terrible bataille. En juillet 1942, des unités de Marines débarquent sur ces plages paradisiaques. Ils ne rencontrent pas de résistance. Leur objectif est simple, s'emparer de la piste en construction pour en faire une base aérienne. Mais les Japonais n'ont pas l'intention de les laisser faire. La nuit même, une flotte envoyée sur place débarque des troupes et attaque les navires américains. Après une nuit de combat, les croiseurs japonais ont coulé 4 bâtiments ennemis. Les autres ont déguerpi. Désormais, les Marines sont seuls sur l'île, sans ravitaillement, manquant d'à peu près tout. Pauvre Robinson abandonné au milieu du Pacifique. Ils n'ont plus qu'à se retrancher autour du tarmac. Travaillant d'arrache-pied, malgré les attaques et les bombardements, les Marines utilisent les bulldozers japonais pour achever la piste d'atterrissage au plus vite. Deux semaines plus tard, un groupe de chasseurs-bombardiers s'y pose sans encombre. Il était temps. Le lendemain, de nouvelles troupes japonaises lancent plusieurs attaques suicides sur la base. Dans les mois qui suivent, les vagues fanatisées se succèdent, montant à l'assaut pour anéantir les Marines. À l'hiver 1942, les deux belligérants marquent une pause. Les Japonais s'enterrent à leur tour. En décembre, les Marines sont enfin relevés. Ils ont tenu 6 mois dans l'enfer de Guadalcanal. Leurs remplaçants vont faire la différence. Ils reprennent l'offensive et annihilent une à une les poches de résistance nippone. Au début du mois de février 1943, l'île est aux mains des Américains. Après avoir été vaincus en mer, les Japonais viennent d'être battus sur terre, perdant tout espoir de construire des bases aériennes dans le Pacifique. La guerre éclair asiatique n'a été qu'un atroce feu de paille. L'Empire du Soleil Levant a réveillé le colosse endormi. La puissance américaine s'accroît un peu plus chaque jour. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ce qui vient de se jouer dans le Pacifique au cours de l'année 1942 va sans doute changer le cours de cette guerre.